Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous Moi ça va très très bien. Aujourd'hui dans ce point de news, on va parler du nouveau euh, super drop euh, Secret Lair wow, XXL qui est sorti euh, le 11 avril, donc hier si vous regardez cette vidéo le jour même et qui sera dispo pendant encore 27 jours à l'achat. Il y a plusieurs produits secret Lair. Comme d'habitude, je vous ai fait le petit calcul des prix, etc. Je vous donne mon avis sur bon, déjà si j'aime le produit, euh, si j'aime le chaque drop secret Lair, euh, ou bien euh, si c'est intéressant de l'acheter financièrement ou pas. Et euh, comme ça vous aurez les prix affichés comme la dernière fois en dessous directement pour ceux que ça intéresse. Premier secret lair du coup de ce drop, c'est le secret lair Special Guest Matt Jukes qui est un artiste du coup qui est connu pour ses paysages abstraits. Euh, et ici il représente des terrains tirés de souvenirs confus et fragmentés. Voilà, c'est la description du secret lair. Il y a 5 checklands du coup qui sont des terrains qui arrivent dégagés si on contrôle un type de terrain de base en fonction des couleurs que donne le, le bilan. Donc on a une glacial fortress, on a Drawned Catacomb, qui est du coup Dimir, on a Dragon Skull euh, Submit qui est Ragdos, on a également euh, Rotbound, Rootbound pardon, Krag qui est Rgrull, et le dernier Sun Grove qui est Celesnia. J'aime pas mal le, le dessin, même si voilà, c'est un peu minimaliste, abstrait, mais, mais ça me plaît bien. Je trouve que, surtout pour des landes, on peut se permettre encore plus de fantasy, c'est très joli. Le prix de ce secret l'air, comme quasiment tous les secrets l'air de ce drop, sont de 35 euros en normal et de 45 euros en foil. Frais de port non compris, évidemment. Donc, si vous euh, commandez moins de 100 euros, je crois, il y a des frais de port qui vont s'ajouter. Ces, euh, ces landes là du coup, euh, ce Secret Lair-là, si vous achetez les cartes et unités, je ne parle pas de ces versions-là, attention, je parle de, si vous voulez juste, ces cartes-là dans un état euh, near-mint et anglais. Donc, parce que je prends en compte que si vous achetez un Secret Lair, vous les recevez dans un état impeccable et en anglais. Donc, je prends le, la même, le, le, les mêmes euh, détails et les mêmes caractéristiques pour faire mon calcul. J'utilise Magic Card Market pour voir, comme ça, vous avez le prix... Euh, bah, pas forcément le plus bas, mais en tout cas les prix euh, les plus intéressants euh, pour euh, au moins calculer la rentabilité du produit. Prix des cartes, 17€ euros, si vous voulez ces 5 cartes-là. Et si vous les voulez en foil, c'est pas beaucoup plus cher, c'est 25€, euros, alors que 25 euros euh, les terrains folles souvent coûtent un coûtent un peu. J'étais assez étonné. Euh, c'est pas forcément tous dans la même édition, etc. J'ai pris vraiment euh, dans le l'état et la langue qui m'intéressait. Et euh, l'édition. Euh, Ensuite, ça dépend de, de ce qui est proposé du coup sur Card Market. Euh, donc, euh, niveau juste, si vous avez besoin de ces 5 landes là, c'est pas très très intéressant. Vous voyez que c'est le double du prix pour les avoir en non-foil et c'est euh, un peu moins du double si vous voulez les avoir en foil avec ce secret l'air là. Par contre, voilà, si vous aimez ce style là, encore une fois, euh, je prends pas en compte le goût et les couleurs. Parce que si ça vous plaît de ouf, bon bah euh, faites-vous plaisir si vous avez moyen. Si jamais euh, ça vous plaît pas, n'achetez pas ça. Euh, sachez en tout cas que un secret l'air quand ça s'achète, euh, donc pour ce prix par exemple, on va dire 35 euros, il y a de grandes chances que vous puissiez le vendre entre 30 et 40 euros au moment de sa sortie. Donc, euh, et si vous jamais vous euh, vous arrivez à vendre toutes les cartes à l'unité, peut-être que vous pouvez faire une petite plus-value sur certaines cartes, etc. Donc euh, c'est pas non plus perdu, c'est pas comme si ces cartes-là de Secret Lair allaient côté le prix que, qui est affiché en dessous, mais évidemment ça coûtera certainement un peu plus cher. Mais juste de base, si vous cherchez ces cartes-là, euh, bah, vaut mieux les acheter du coup plutôt à l'unité. Après, si ça vous fait plusieurs, n'hésitez pas. Moi, je pense que ce drop-là, déjà, je vous le dis maintenant. Je vais certainement prendre euh, l'entièreté euh, du drop. Je ne sais pas si je le prends en foil, en non-foil, les deux, je, je, je verrai. Voilà, je, je me laisserai porter euh, par mes émotions au moment de, de passer à la, à la caisse. Deuxième Secret Lair, qui est le Secret Lair, Just, Just Some Totally Normal Guys. Aucune idée du thème, en vrai. Euh, J'ai lu la description et euh, c'est un artiste qui s'appelle Roman Klonek, qui est un graphiste allemand, euh, qui, euh, qui est en charge du coup des, des quatre illustrations. De ce Secret Lair qui représente quatre créatures dans un style un peu. Enfin, c'est pas ce qui est décrit dans, sur le site, mais je trouve un style très cartoon. Euh, ça rappelle un peu les, les, les dessins, euh, les animations style Rick and Morty ou ce genre de truc. Alors, c'est pas du tout quelqu'un qui a travaillé là-dessus. En tout cas, je n'ai pas trouvé sur internet cette, cette information. Mais moi, c'est à ça que ça me fait penser. Et on a quatre créatures qui sont le Collector Ouf, euh, le Goblin Settler. Le euh, Vengevine ainsi que le Void Winower euh, qui sont de très bonnes cartes, euh, ces quatre très bonnes créatures. Euh, juste dommage, le Vengevine bah, c'est plutôt une carte qu'on joue en général en 4 exemplaires euh, dans, dans certains formats comme le Modern. Donc là, bah, quand vous prenez le Secret mais bah, vous n'en avez qu'un comme ça. Ça se joue aussi en commandeur, en V1 ou multi, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt une carte qu'on voit en. En, en moderne, en plusieurs exemplaires, donc c'est toujours dommage d'éditer des cartes comme ça, j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, il y a d'autres euh, produits Secret qui sont concernés par ça, et c'est un peu dommage du coup de, bah, si vous voulez, genre Void Winnower, euh, on en veut qu'un, généralement, peut-être deux, allez, grand max, euh, alors que quand enfin, je veux, on en veut quatre, mais tu pas envie d'acheter quatre fois Secret Lair là, parce que du coup, tes autres Void Winnower, ils sont pas ouf. Euh, prix de ce Secret Lair, donc 35, 45 en foil, et là vous vous dites, waouh, mais il vaut le coup de ouf ce Secret Lair, parce que le prix des cartes, si je les achète euh, dans un bon état en anglais, c'est 76 euros en normal et 99 euros en foil, mais c'est fou, et en fait, attention, attention, parce que déjà, bon, l'artwork est un peu particulier, il faut que ça plaise, euh, plein de gens diront que ça fait pas trop magique, comme plein de Secret Lair, hein, à vrai dire, et euh, moi, je suis pas méga fan, j'aime beaucoup le Gobelin, il est rigolo, mais... Euh, mais pour le coup, euh, je ne suis pas méga fan non plus des, des illustrations. Euh, par contre, ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans Secret Lair là, en non-foil, en fait, il vaut 76€, mais en fait, le Goblin, Goblin Settler, si vous le voulez en anglais, bonne qualité, euh, donc near il n'y a qu'une seule édition qui sont, il me semble, des Starter Deck de 1999, où ce Goblin a été édité. Ça fait très longtemps, enfin, c'est pas que ça fait très longtemps, c'est qu'il n'a jamais été réédité. Donc, ce Goblin, il vaut très cher. Euh, pour ce que c'est, parce que finalement, c'est pas... C'est un effet un peu basique, c'est un, un pourquet qui détruit un terrain quand il arrive en jeu. Mais si vous le voulez, pour un deck goblin, pour un deck animar, pour euh, n'importe quel deck, euh, c'est dans un bon état. Hein, attention, vous pouvez le payer moins cher dans un état euh, exécrable. Euh, c'est 53 euros. Et c'est pour ça que le prix en foil vaut aussi cher. En fait, c'est que les cartes, les trois autres en foil valent environ 47 euros au détail, mais le gobelin n'existe pas en foil, donc je le rajoute quand même au prix foil. Euh, parce que bah, il faut l'inclure même si on ne peut pas acheter en foil de 52 euros du coup euh, 52 ou 53 c'est 52, quelque chose euh, donc euh, si jamais vous avez besoin d'un goblin settler euh, ça vaut énormément le coup de l'acheter ne serait-ce qu'en non foil euh, le pack parce que 35 euros c'est quasiment le prix même dans un état pas ouf du goblin et en cadeau vous avez trois autres cartes qui sont bien le ouf c'est pas mal joué en, en commandeur euh, euh, multi, un je je sais pas, je, ça a l'air fort, mais euh, je me rappelle pas l'avoir vu en, dans les déclistes d'Envien. un Le c'est <coughs> pas mal en multi aussi. Et, euh, et la Vengewine, bah, vous pouvez la refiler à quelqu'un qui n'a pas eu envie d'acheter tous les autres pour euh, jouer pour ça sans moderne, par, par exemple. Donc très worse, très très worse ce, ce secret l'air là. Euh, après, je ne sais pas combien va coûter le gobelin une fois que ce sera sorti. Parce que là, il vaut cher, mais une fois qu'il y aura une réédition, peut-être que l'ancienne version vaudra Peut-être moins cher et du coup ce prix de, le prix de ce secret lair il sera moins intéressant. Je ne parle qu'au moment euh, où je tourne cette vidéo. Attention, plus tard, du coup, peut-être que le prix euh, va être modifié. Troisième secret lair qui s'appelle Finally Left Ended Magic Cards, euh, qui est le secret lair euh, Poisson d'Avril. Alors qui est un vrai secret lair, vous pouvez l'acheter. C'est ces cartes que je vais vous présenter qui seront dedans, euh, que vous allez recevoir. C'est juste que... Euh, ils font un petit poisson d'avril chaque année où euh, ils euh, prennent un thème un peu décalé. Et cette année, ce sont les cartes pour gaucher, où en fait, les cartes, tout simplement, euh, ont la disposition inversée. Donc le nom est à droite et le cours mana est en haut à gauche. Euh, le petit cycle de l'extension, il est à gauche. Le, la force et endurance est à gauche également, en bas à gauche. Et pour le Planeswalker, qui a. Euh, dans ce paquet Garouk aussi, les capacités de loyauté sont à gauche, on va le voir. Donc on a Cissé, Weatherlight Captain, euh, on a également Empress Galina, qui elle euh, a un prix euh, très surprenant, on va le voir euh, juste après. Euh, on a euh, Geralf le Messager, on a également euh, Rograk, Son of Rogga. Rogak, non, Roga. Et en dernier on a Garouk du coup Color of Beast avec du coup ses euh, marques à qui sont eux à droite du coup et euh, enfin ses capacités de loyauté qui sont à droite et ses marques à qui sont à gauche. Euh, ça fait presque plus naturel, je trouve, les plains de coeur, Bon on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais j'ai presque l'impression que ça devrait être comme ça. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est assez étonnant. Pourquoi ces cinq cartes-là Alors, ça aurait pu être plein d'autres cartes, mais en fait, c'est parce que les personnages sur les illustrations sont gauchers. En tout cas, ils sont représentés en utilisant leur main gauche en priorité. Euh, je ne sais pas si sur la carte de base, ils sont représentés en tant que gauchers. Genre le messager de Garalf, euh, je me rappelle pas. Mais, euh, mais, en tout cas, sur ces illustrations, oui. Quoique comme messager de Garalf, il a plein de, ah parce qu'il a plein de bras gauche et un seul bras droit. Ok, je l'ai, j'avais pas capté. Euh, ce pack-là, il est disponible donc à 35 et 45 euros en foil, évidemment. Si vous voulez acheter en non-foil, toutes ces cartes-là, c'est 25 euros. Et petite euh, petite explosion du prix, du coup, à 225 euros si vous voulez acheter en foil, pour deux raisons. Euh, alors, la raison de ces prix-là, euh, je ne l'ai pas exactement, mais en fait, parce qu'il y a deux cartes qui valent très cher. Il y a le messager de Geralf qui, si vous le voulez en foil, hop, il est là, je l'ai passé. Si vous voulez en foil, il vaut 35 euros en Irmint anglais. Je pense qu'il n'a jamais été réédité, il me semble. Euh, du coup, c'est pour ça qu'il vaut euh, aussi cher en foil et qu'il a été pas mal joué à un moment donné en moderne. Peut-être qu'il est toujours joué d'ailleurs, ça je ne sais pas. Et autre carte qui fait grimper le prix, c'est l'Empress Galina. Comme beaucoup de vieilles cartes, en fait, qui n'a pas été réédité euh, dans son extension du coup d'origine. Pour l'avoir en foil, c'est, dans un bon état en anglais évidemment, c'est 180 euros. Ce qui est énorme, alors que la carte de base, euh, il me semble, vaut... Euh, 2 ou 3 euros je crois. Donc il y a une énorme différence euh, si vous la voulez en foil. Mais du coup, ne vous attendez pas à ce que cette carte-là de Secret L'air valent 180 euros. Elle ne vaudra pas du tout ce prix-là, elle vaudra bien moins cher. C'est juste que les collectionneurs sont attachés aux éditions d'origine. Et du coup, comme l'édition d'origine foil, c'est euh, bah, la première et c'est, euh, elle est unique en plus pour l'instant, c'est 180 euros. Donc... Euh, pour le coup, je vous mets quand même le prix, même si ça ne reflète pas la réalité des, des choses. Mais voilà, pour ceux qui se diraient, bah tiens, ces 5 cartes-là, j'aimerais bien les avoir en foil, Ah, dites-vous que vaut mieux passer par le Secret Lair. Euh, Si ça ne vous dérange pas trop d'avoir les trucs décalés à gauche, on dirait un peu des misprints. Mais, mais voilà, c'est plus, plus intéressant pour, euh, bah, sur, pour le messager de Garalf et pour l'empresse Galina. En plus d'avoir des superbes nouveaux dessins, ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, même l'artiste, d'ailleurs, est en bas à droite au lieu d'être en bas à gauche. Enfin, tout est inversé, quoi, quasiment. Voilà. Est-ce que Secret Lair m'intéresse Pas vraiment, euh, à la base, mais bon, euh, pour, euh, pour avoir accès à des cartes comme ça euh, un peu uniques, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que attention, là on est sur de la, de la spéculation, mais les, euh, les drops du 1er avril, généralement, ils ont une carte surprise dedans, qui est euh, assez recherchée euh, par rapport à peut-être d'autres cartes surprises. Alors, dans tous les Secret Lair, il y a une petite carte surprise, mais des fois c'est juste un landfoil, voilà, ça dépend, c'est pas toujours la même chose, des fois c'est plus ou moins intéressant. Et ici, euh, enfin, dans celui de l'année dernière, la carte, euh, en plus, ça a fait que le Secret Lair valait à la revente plus de euros alors qu'à l'achat, il était environ à, à ce prix-là également, parce que dedans, il y avait un T-Balt, le Blood Find Dead, je crois il s'appelle, euh, qui, euh, qui coûte 2 manas rouge qui fait des des cartes, etc., en bord blanc, et il était foil donc c'était euh, la seule façon d'avoir cette carte c'était en, en ayant acheté ce Lair là et à l'époque voilà il a beaucoup coté là j'ai regardé le prix actuellement il vaut euh, 28 euros environ donc c'est pas non plus énorme mais vous vous dites que si le prix des cartes est d'environ 25 euros de base que là pour 10 euros de plus vous achetez le Secret Lair, et que vous avez euh, une carte surprise qui vaut des sous bon bah c'est juste euh, full rentable euh, d'acheter ce Secret Lair là après voilà le, le pack les cartes sont pas non plus méga intéressantes je trouve surtout le rograc on fout complètement. Si euh, c'est, bon c'est marrant, mais euh, c'est pas incroyable. Garouk à 6, euh, non plus, c'est pas, pas dingue. Mais pour la petite carte surprise, voilà, je vous le dis, ça peut valoir le coup. Après, attention, si jamais vous avez juste une pleine euh, foil. Moi, je ne sais pas. Ce n'est qu'une supposition, je ne suis au courant de rien. Quatrième Secret Lair, du coup, cette série assez... Euh, on va attaquer les trois prochains d'ailleurs, qui sont des artistes-series. Donc ce sont des Secret Lair. Euh, on a demandé à un artiste de dessiner euh, des cartes. Donc c'est le même artiste avec souvent un style assez particulier de dessiner certaines cartes. Et là, le premier, c'est Wayne Reynolds. Euh, alors, il euh, n'y a pas trop d'explications de, sur Secret Lair, autre que, euh, on a demandé à Wayne Reynolds de faire des illustrations. Je pense que vous reconnaissez son dessin, vous dites « Ah oui, j'ai déjà reconnu ses dessins, j'ai déjà trouvé stylé et tout, c'est assez... Euh... » Assez iconique, on va dire, euh, le dessin de Wayne Reynolds. Euh, et lui, il avait une, une question, parce que souvent, quand on, les, on leur demande de faire un secrétaire, les artistes, ils disent « est-ce que je peux faire ci, ça, ça ?» Et là, la question de Wayne Reynolds, c'était « est-ce que je peux dessiner des nains ?» Et Wizard a dit « oui, tu peux dessiner des nains ». Du coup, ils lui ont donné quatre nains à dessiner. Le premier est Sram, seigneur édificier. Le deuxième, c'est Baltor, euh, le souillé, avec un dessin pixel. Il est, euh, il est exceptionnel, ce dessin. Thorbran, Tan, Fredfell aussi, bon, qui ressemble pas mal au dessin de base, je trouve, euh, dans la posture, un peu, dans la composition, mais euh, ça ne ça nous rien de ça superbe. Et le dernier, c'est là pilote exemplaire, qui va faire plaisir à certains, et il y a pas mal d'autres non moins, euh, on s'en fout. Le prix de Secret Lair, euh, c'est 35 et 45 euros en foil. 8 euros pour avoir ces 4 cartes-là, euh, en version euh, Bon État anglais, enfin Niermint en anglais. Donc euh, vraiment, euh, si vous n'aimez pas spécialement Wayne Reynolds ou ses dessins, passez votre chemin. Par contre, en foil, il vaut 66 euros, parce qu'en fait, Baltor le souillé, comme je vous l'ai expliqué pour la carte précédente euh, bleue, euh, enfin du Secret Lair précédent, euh, n'a qu'une seule version en foil, et elle vaut 60 euros. Et du coup, euh, bah, c'est un peu étrange, mais euh, le Secret Lair, du coup, je, il me semble qu'il y a des cartes qui valent un peu moins cher en foil, en tout cas avec les, les calculs que j'ai fait, Card Market, euh, il y a des cartes qui valent un peu moins cher en foil qu'en non-foil, pour avoir un état euh, near Mint. Apparemment, puisque c'est 8 euros pour ces 4 cartes-là et 66, euh, dont 60 pour Soyer en foil. Est-ce que ça vaut le coup quand même de prendre ce secret-là en foil Si vous aimez les nains, si vous aimez la collection, si vous euh, voulez ces cartes-là, vous pouvez vous faire plaisir, mais honnêtement, si vous avez juste besoin de ces cartes-là pour les jouer par-ci par-là, que ça ne va pas être vos généraux ou quoi, parce que ce sont 4 cartes légendaires qui peuvent être vos généraux hein, potentiellement, euh, passez votre chemin et achetez-les juste à l'unité. Euh... À moins que la carte surprise soit vraiment dingue, mais bon, ça, on le saura que. Euh... Qu au moment où les gens reçoivent, normalement c'est jamais annoncé à l'avance, enfin c'est rarement annoncé à l'avance. Bah, du coup, et euh, de toute façon, ça sera sûrement un nain. Du coup, la carte mystère, si jamais il colle au, au secret l'air, je vois pas quel nain pourrait coûter vraiment euh, très très cher euh, pour rehausser le, le prix de ce secret l'air. À mon avis, c'est juste pas très très intéressant si euh, vous n'êtes pas sensible euh, aux artworks de, de Winnery dans ce bien entendu. Deuxième euh, Secret Lair Art Series, Series consacrée à Sidart Château j'espère que je l'ai bien prononcé. Euh, elle, elle voulait, euh, ou il d'ailleurs, je ne sais pas, euh, il voulait raconter une histoire euh, avec ces cartes-là. Et du coup, bah, ce sont quatre cartes qui racontent une histoire. Et à la fois dans euh, le texte d'ambiance que je vous laisse lire, euh, et à la fois dans, dans l'illustration. Alors je ne sais pas si les cartes que je vous montre sont dans le bon ordre par contre, euh, mais, euh, mais euh, si jamais euh, ça colle pas, je vous laisse. De toute façon, vous allez lire en description, je les remettre dans l'ordre pour comprendre. On a quatre cartes, du coup, Concordant Crossroad, euh, Nomad Outpost, qui est du coup le Triland Mardu. Attention, c'est pas le triome, c'est juste un triland. Le euh, Ghost Quarter, magnifique, et dernière, une île tout Simplement bon, là qu'il n'y a pas de texte pour expliquer, mais je pense que c'est assez clair euh, ce que ça raconte. J'aime beaucoup euh, le coup de pinceau de, de Sidart Chaturvedi. J'aime beaucoup aussi celui d'Ariane Reynolds, hein, bien entendu. Mais je sais pas, ça me, ça me parle un petit peu plus euh, celui de Sidart Chaturvedi, Je trouve que les illustrations sont vraiment bluffantes. Le prix du coup de ce secret clair 35,45 comme tous. Prix des cartes 32 euros en non-foil et 45 euros en foil. Il y a une carte qui n'est pas foil, enfin qui ne peut pas être foil, qui n'existe pas, c'est Concordant de Crossroad. Et pourquoi Secret Lair est intéressant et je vous recommanderais de l'acheter Eh bien parce qu'il y a Concordant de Crossroad dedans. Euh, parce qu'en vrai, il n'y a que trois cartes, puisque la troisième c'est une île, euh, elle est jolie, mais genre on s'en fout. Mais en fait, Concordant de Crossroad, c'est une carte qui n'a jamais été rééditée et qui, là déjà, a un petit peu baissé, mais va valait cher. va Valait cher et elle vaut actuellement encore 30 euros. Donc euh, soit vous prenez euh, une Concordant de Crossroad à 30 euros, soit vous prenez tout le Secret Lair à 35. Euh, et du coup, bah, en foil, la, la value de, des autres cartes, notamment le Ghost Quarter, est, est plus élevée, mais, euh, mais elle n'est pas incroyable. Je n'ai pas compté l'île, du coup, qui peut valoir des sous supplémentaires, mais je compte pas parce que bah, on peut pas comparer. Genre, si vous faut une île, vous prenez une île dans un magasin gratuit et ça ne vaut rien. Euh, C'est 45 euros, donc ça équivaut au prix faux du Secret Lair. Donc, tant qu'à faire, je ne mets pas les prix, de, les frais de port, en fait, hein, dans mes prix. Euh, tant qu'à faire, autant prendre le Secret Lair, je trouve, euh, surtout si ça vous parle ces dessins-là. Euh, dire à joué par contre ces quatre cartes là dans le même deck, euh, puisqu'elles euh, représentent les, les cinq couleurs de Magic. Euh, mais euh, du coup, vous pouvez pas raconter une histoire avec, euh, avec, euh, avec vos cartes dans un même deck. Mais bon, je pense que c'est avant tout pour euh, soit pour Concordant Crossroad que vous prenez ça, soit pour la collection. Moi, ça va être pour les deux, euh, parce que je n'ai pas de Concordant Crossroad qui vaut quand même assez, assez cher, puisque par réédité, et aussi parce que je trouve qu'il est, euh, est magnifique, Secret Layer. J'adore l'illustration du Ghost Quarter vraiment, euh, et de l'île aussi, mais. Je suis, euh, suis toi je suis en pente. Je suis comme ça et je, je suis en train de glisser lentement. Dernier secret Lair, artiste artist series et avant-dernier de ce drop, du coup, euh, consacré à Magali Villeneuve. Je pense que je ne vais pas expliciter plus. Magali, la bosse, euh, artiste française euh, avec un talent. Avec un talent. Mais je euh, j'ai même pas envie de décrire, en fait. C'est juste c'est insane. On voit l'illustration, on voit ses illustrations générales. Elle a énormément illustré pour, euh, pour plusieurs... Euh, euh, marque, on va dire, pour Star Wars, pour euh, Magic, enfin pour plusieurs euh, compagnies euh, Magic, plus de 100 illustrations de cartes, il me semble. Donc c'est pas rien, euh, en environ euh, une dizaine d'années, je crois. Ça fait, euh, je crois, 10 ans qu'elle dessine pour, euh, pour Wizard. Elle, euh, elle arrive avec un pack très très beau. Elle a aidé aussi, comme Sidart Chavourdi, à euh, écrire le, les textes d'ambiance des cartes. On a une Mère des Runes, très bonne carte, une Death Shadow. Excellente carte aussi euh, de moderne. Une, un mystique elf, euh, Elvish mystique. Et dernière carte qui est une forêt. Les quatre illustrations sont sublimes, mais genre sublimissimes. Euh, ah, il y a une petite erreur, excusez-moi, pour le prix euh, Secret Lair, Il y a écrit 55 euros foil. Mais, euh, mais ce n'est pas le, le bon prix. C'est bien 35 euros le prix. Et 45 euros en foil. Hop, j'avais pas mis à jour ce petit encart. Euh, illustration exceptionnelle elle parlait de la forêt notamment elle a dit je, les gens attendaient que je fasse un terrain je crois qu'elle n'avait jamais fait et du coup je voulais faire un, un très joli terrain euh, pour que tout le monde soit content en gros et ben tout le monde est content en en tout cas c'est exceptionnel les quatre illustrations sont ouf je ne saurais pas dire laquelle est ma préférée à chaque fois que je me dis ah c'est elle ma préférée je passe à celle d'après je me dis non en fait c'est elle la forêt quand même est, est vraiment extraordinaire ça on dirait juste un, un peu un tableau style euh, comment dire, euh, un peu biblique, euh, un peu tout. Enfin, je sais pas. Je m'y connais pas assez en art pour vraiment avoir les bonnes références, mais je, je vois ce que c'est et je trouve ça juste, euh, juste fou. L'événement mystique aussi avec la petite citation euh, Dings, euh, qui est peut-être une référence à quelque chose, à un, à un événement du lore ou quoi que je ne connais pas. Euh, vu le, le crâne là euh, spécifique, je ne sais pas. Mais euh, mais dinguerie, dinguerie secrétaire Par contre niveau du prix. Pas trop dinguerie parce que le prix d'écart, si vous les voulez, c'est une dizaine d'euros pour toutes, euh, et si vous les voulez en foil, c'est 23 euros. Donc prenez-le parce que c'est magnifique, parce que vous les voulez, mais ne prenez pas ça pour la value parce que euh, juste si vous avez besoin de ces cartes-là, ça vaut beaucoup moins cher de les acheter. Non pas dans Secret Lair, mais à part, mais pour la beauté de la beauté du geste, la beauté du Secret Lair. Enfin, let's go quoi, c'est juste juste magnifique. Et c'est le deuxième Secret Lair dont je vous parlais tout à l'heure où on aurait envie d'avoir plusieurs exemplaires de cette Death Shadow ou de cette mer des runes et De cet elf mystique, mais non, euh, donc euh, peut-être que celui-là remarque les quatre cartes, dont la forêt, même aussi. On a envie d'avoir plusieurs exemplaires. Ça vaut peut-être le coup d'en prendre euh, un carré. Du coup, bon, un carré en folle, ça vaut 180 euros pour avoir un carré de chaque carte. Mais déjà, vous aurez la classe. Et, euh, et ensuite, euh, bah, est-ce que, est que la beauté euh, a un prix Est-ce que le pimp a un prix Non, pas vraiment. Donc, euh, on réfléchit pas trop et on, et on commande. Allez, let's go. Dernier secret clair, du coup, c'est le euh, Showcase Street of New Capena Gilded Foil Edition. Un petit peu long comme nom. Euh, il y a trois cartes dedans et celui-ci il n'est que à 55 euros disponible, ce qui n'existe qu'en édition foil. Euh, il utilise le traitement doré de New Capena, donc euh, c'est un, un foil du coup, mais avec un traitement doré sur euh, bah, tout ce que vous voyez de doré de la carte. On n'a pas vu encore de ce à quoi ça ressemblait en vrai, mais je pense que ça va être magnifique. Moi, moi je suis une pie, donc j'aime bien quand ça brille et j'adore le l'or, le doré et tout euh, cette couleur-là. Je trouve ça en général très beau, donc sur un traitement foil. Euh, nul doute que ça va être sublime. Et le thème, euh, en gros, c'était un peu euh, c'était un peu une idée comme ça c'est et si ces personnages-là, donc Atraxa, Breya et euh, Idris, arrivaient sur le plan de New Capena, qu'est-ce que ça donnerait Et on a demandé à trois artistes différents d'illustrer ça. Donc Tom Roberts a dessiné Atraxa, Prater's Voice, qui est su subjugante. Ça fait très statue. Très un peu euh, statue, genre Fontaine, Statue de la Liberté, euh, truc comme ça. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Elle est exceptionnelle, je crois que c'est la plus belle illustration d'Atraxa euh, qui existe. Breya aussi, de bon, toute façon les trois sont exceptionnels, hein, mais genre Atraxa, je trouve ça vraiment ouf. Breya, Ethereum, euh, Shaper, très très beau aussi, euh, avec le, le petit, euh, petit chapeau euh, très représentatif du style New Capena et tout. Top. Et euh, Yidris, Maestro d'or qui est un ogre, et pour le coup, bah, vu que les ogres, on l'a vu dans, dans New Capena, je trouve qu'ils n'ont pas trop une tête d'ogre, hein, c'est juste des, des grands baraqués. Euh, ben Idris ne ressemble pas du tout au Idris qu'on voit sur l'illustration de base et, euh, et c'est pas plus mal en vrai. Franchement, il a, il a vraiment du style. On dirait beaucoup un perso de League of Legends, je trouve, dans le, dans le style. Euh, pour ceux qui ont vu la série Arcane, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça... Si jamais il, a, il débarquait dans l'OL, il y aurait pas de galère, quoi. Euh, genre, on l'accueille la, sans souci. Euh, ces cartes-là, si vous voulez les acheter, et ben en fait, vu qu'il y en a deux qui Sont euh, uniquement en foil qui sont Breya et Idris, en tout cas de ce que j'ai cherché. Euh, bah, le même prix, enfin, euh, c'est le même prix pour foil et non foil et Atraxa. Bah, pareil, vu qu'elle était disponible en foil à la base, puis en non foil, le prix est le même. Donc, c'est 25 euros si vous voulez ces cartes en foil ou en non foil. Euh, sachant voilà que il y en a deux, je vous dis, elles ne sont pas, pas disponibles en non foil et elles ne le seront toujours pas après ce drop là, puisque c'est un drop uniquement foil. Euh, Est-ce qui est intéressant? Alors, bah, vous voyez le prix, euh, c'est plus du double euh, du prix pour les mêmes cartes. Donc, juste, vous avez besoin de ces cartes-là, ça n'est pas du tout intéressant. Surtout si vous n'avez pas besoin d'un Traxa, parce que c'est la carte la plus chère, elle vaut environ 18 euros. C'est vraiment pas intéressant si euh, vous n'avez pas besoin d'un Traxa. Par contre, je pense que ces cartes-là vont coter pas mal plus que leur prix euh, du Secret Lair. Euh, et que du coup, si jamais euh, vous achetez Secret Lair à 55 euros, je, je prends pas les frais de port en compte, il y a moyen que ces cartes-là, dans dans quelques temps. Euh, atteignent les. Euh, surtout à Traxa. les euh, 70-80 euros à la revente. pas l'unité, mais toutes. Hein. Donc ça fait quand même une, une plus-value sympathique. Ou alors juste si vous vous dites à un moment donné, j'aurais besoin de ces cartes-là. Euh, et je les voudrais dans cette édition, vaut mieux les acheter. avant euh, que ça n'explose. Ne, C'est une supposition. Je vous encourage pas à acheter ça pour faire de l'argent si vous n'avez pas besoin, euh, si vous n'avez pas les moyens ou quoi, et que vous en avez besoin, achetez-les au prix de base sur le, dans une boutique ou bien dans un, euh, sur le marché euh, particulier de Magic Card Market. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir que ça, si jamais vous vous dites un jour, ah je pourrais craquer, euh, me faire plaisir, jouer avec ça. Je vous conseille vraiment de, le, de, de les acheter en secret lien. Avant de clore cette vidéo, on parle des bundles. Du coup, enfin, je vous parle juste des prix, puisque forcément, si vous voulez en acheter plusieurs, c'est intéressant. Le Non-Stop Non-Foil Bundle, donc c'est tous les drops, hormis le dernier que je vous ai présenté, pour 175 euros au lieu de 210 euros. Le Full of Foil Bundle, donc c'est tous les drops en foil. Y compris celui qui est uniquement foil, donc le Showcase Street of New Capena, à 280 euros le de 325 euros. Et le Bundle Bundle, vous avez les deux packs que je viens de citer, donc le Full of Foil et le Non-Stop Non-Foil, pour 410 euros le 535€. 535. Attention, si vous voulez en acheter plusieurs euh, du coup de ces drops-là, euh, mais pas tous, regardez bien le prix parce qu'il y a des chances que vous soyez pas loin du Non-Stop Non-Foil Bundle. Et pour vous dire, en gros, généralement, en acheter euh, 5 sur 6 ou 6 sur 7. Ce n'est pas intéressant, puisque vous allez payer quasiment le même prix que si vous achetez euh, le bundle avec tout dedans. Euh, donc euh, surtout encore plus si vous achetez les, les pack foils. Donc voilà, calculez bien euh, et c'est souvent plus intéressant de prendre un, tout un bundle. Euh, et si vous prenez le bundle bundle, et vous, euh, vous divisez, parce que du coup il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 secrets l'air. Donc vous divisez les 410 euros par 13. Euh, donc ça fait euh, ça fait pas énorme. Euh, attendez je vais prendre la calculette on va faire ça pro quand même 410 divisé par 13 ça fait 31 euros le secret lair sachant que du coup les... un secret lair de base vaut 35 et qu'un secret lair foil vaut 45 ça fait quand même une belle ristourne sur chaque secret lair euh, mais bon voilà c'est une somme assez énorme donc il faut que ce soit euh, euh, intéressant et en plus d'avoir un foil à non foil à part si vous êtes collectionneur c'est un peu moins intéressant je trouve. Donc je vous orienterai plutôt, si ça vous intéresse, ces drops-là, vers le, le pack full foil pour avoir les trois, les trois euh, généraux euh, quadricolores. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Discord dans la description. Avec notre chaîne Twitch également, Valpèle Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.